Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes là, c'est que vous avez dû voir qu'on poursuit The Legend of Dragoon et qu'on va s'éclater parce qu'on approche d'un boss. Et si je ne me trompe pas, du CD2, la fin du CD2. Et là, elle est imminente. Donc si je me démerde bien, ça peut être sur cette séance, là, aujourd'hui. Comme ça peut être dans la prochaine. Je vais faire en sorte que ça soit dans celle-ci. Je vais essayer du moins. Mais on a un gros, gros boss là qui nous attend. Je spoil la mort, je vais m'en rendre compte. Mais c'est pas grave. Donc ça risque de durer un petit moment, ce boss. Installez-vous. Moi, j'ai pris un petit café vanille. Mettez-vous à l'aise. Et si tout se passe bien, la prochaine fois, on attaque le CD3. On est à la moitié du jeu. Ce let's play est beaucoup trop long. Mais que voulez-vous, c'est un RPG, c'est aussi pour ça qu'on les aime. Où est-ce que j'en étais? 23, 22, est-ce qu'il est presque à monter un niveau, lui? Pas du tout. Il en a, il est pas si loin de ça, monter un niveau. Hein. Rose, elle est vraiment tout près de monter un niveau, je viens de me rendre compte. Hein. Ça pourrait être intéressant de la faire monter, même si bon, ça monte vite hein, d'un côté. J'ai monté leur vie au maximum pour être tranquille quasiment. Ouais, je crois qu'on va avoir, je vais prendre 2 minutes juste pour monter, enfin 2 minutes, un peu plus ça, mais juste pour monter Rose au niveau 23. Parce que vu ce qui nous attend, ça sera pas trop. Allez, on est bon. Là, actuellement, c'est... Comment que ça se passe, déjà? Rose, niveau 23, Albert est monté niveau 22, et Dart est toujours égal à lui-même, niveau 23. En avant. Ok, là ça annonce la couleur. Il y a de l'orage. Il y a des gros boum boum. Le ciel est ténébreux. Tout annonce que ça va pas être top pour nous. Là il y a la musique. Voici la dague de lune. Ouais, pourquoi il a besoin de nous? Bonne question. Il est intelligent. Oh là là, attends, le mec il rigole pas. Dans son couple, il pose, faut poser qu'une seule fois la question. Mais il a pas tort, c'est que si tuer des gens bêtement comme ça, ça peut créer des adversaires. Le fameux plan. Le mien, on se marie, on a des enfants et on vit heureux. Chaude, la demoiselle, chaude. Voilà, depuis le temps qu'on le cherche, on l'a trouvé. C'est vrai que normalement le conspirateur de tout cela, il est toujours au royaume d'Albert. J'ai un trou de tumeur sur le nom, mais... Oh mon coco, parle pas de la vite. Oh là là, non non non. Oh.
C'est vrai pour l'instant, si on regarde, on regarde les points, il gagne. Il y a 2-0 pour lui. Il s'est TP. Sachant qu'on a déjà eu du mal contre elle une fois, donc je suis pas serein. Oh là là, et en plus elle est stylée. Alors là, on a passé un cap supérieur. En plus, elle a une tête de chat. Allez, on part pour un très gros combat à partir de maintenant. Parce que si c'était si simple de l'affronter elle comme ça... Non, 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 il y a aussi ça à côté, le dragon marin. Oui, les dragons dedans, ils sont dégueulasses, je suis d'accord, mais c'est pas grave, on leur pardonne tout. Comment on se débarrasse d'elle? Laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'il vaut mieux se débarrasser d'abord du dragon ou d'abord d'elle? Faut que je réfléchisse à tout cela. Je propose qu'on essaie de se débarrasser d'abord du dragon et d'ensuite d'elle. Est-ce qu'on attaque directement en mode ultra bourrin? D'un côté, Albert, il peut taper très fort comme ça, hein, naturellement. Ouais, on va faire un spécial direct. On verra. De toute façon, au pire, on recommencera. On a sauvegardé juste avant. On va être dans le monde des ténèbres. Il y a certains boss où j'arrive serein, confiant. Elle, vu comment elle nous a mis mal, je vous avoue que je suis pas 100% serein. Là, je peux créer la peur, mais ça marche pas sur eux. L'absorption astrale, actuellement, j'en ai pas forcément besoin. Donc, on va juste taper. Rigole. Ah oui, c'est vrai que vu qu'on est dans son monde, en fait, ça fait des combos automatiquement ultra puissants. C'est vrai, c'est vrai. Bah vas-y, on gagne plus. On va le défoncer comme ça. 335. Je suis sûr qu'Albert tout seul, il peut faire plus. Explosion finale, c'est 30. Mais ça peut faire extrêmement mal. Allez, on tente. Quoique, on avait vu que l'explosion simple faisait plus de dégâts. Oh. C'est beau. Ah, c'est beau. Dis-moi qu'on lui a fait mal. D'un côté, il est dos, hein, je suis sûr. 801, ça valait le coup. 801, je lui ai mis dans la tronche. C'est juste énorme. Ah, alors, j'ai eu un petit coup de téléphone. Il a mis une petite pause que je vais remettre dans tout ça. Albert, mon cher Albert, mon grand Albert, je propose que tu tapes sec. On en est où? Ça lui a rien fait. Vas-y, frappe. Allez, on y croit. Ah, 3, c'est nul. Prochain coup, j'utiliserai la magie pour essayer de nous renforcer. Pour qu'on soit, qu'on résiste mieux au coup. J'arrête pas à parler, ça y est. Là, il peut être extrêmement fort, faut vraiment se méfier. Allez, la vague. Normalement, vu qu'on est en dragoon, ça devrait pouvoir passer. Sans trop de dégâts. En plus, on est quand même niveau à un bon niveau. L'attaque, elle est impressionnante. On est mort, noyé. Il a compris qu'on pouvait pas respirer. Oh, il fait quand même très mal. Ah, il fait quand même mal. Oh là là. Elle a toujours des attaques multiples, elle. Bien sûr.
Non, ça va. 72. Ça va, ça va, ça va. On est bien. Toi, tu vas continuer à frapper droit dans la bouche. Tant que je tape avec elle, en fait, ça attaque au maximum de sa puissance. .335, peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il fait encore? Oula, oula. Faut vraiment se débarrasser de lui et vite. Ça va. Magie, est-ce qu'on essaye, parce que Explosuel ça demande beaucoup, lance-feu juste pour voir. Là mon but c'est vraiment d'éliminer le dragon. Pour qu'on puisse après s'affronter tranquillement avec l'autre. Faut qu'on lui ruine sa vie. .800 avec explosion finale. Ouais bah clairement il vaut mieux faire des explosions. Comme ça. Lance-feu c'est mieux que explosion finale. Ça coûte moins cher. Et tu fais plus de dégâts. Ah mais ça arrête plus maintenant, il faut arrêter maintenant. 100. Il va falloir arrêter monsieur. Albert, si tu veux bien améliorer notre puissance, notre résistance du moins, pendant 3 tours. J'aimerais bien qu'Albert il débloque des nouveaux pouvoirs. Tempête de rose. Oh les effets ils sont tellement cool. C'est dommage qu'on ne garde pas ce bouclier là pendant 3 tours autour de nous. Pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est sous la protection du bouclier. Ça pourrait être cool. Bon bah allez, Albert il revient à la normale. Donc maintenant lui il va prendre cher. Mais vu qu'on a son combo automatique, on va recharger assez bien sa puissance. Bien sûr que non. Oh le bleu. Oh la vache. Non 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 mais c'est bon, non, t'étais pas obligé. Oh. Waouh, elle est sacrément puissante. Elle fait autant de dégâts qu'un dragon. Parce que là, Albert, je crois qu'il en a bien besoin. Si ça pouvait lui enlever beaucoup de vie, je serais partant. Ça ferait très plaisir. .780. Ah bah merci. Merci hein Rose, la prochaine fois on fait que de ça. Hein. Magie. Lance-feu. Le dragon, c'est fini, je suis très content. Et je n'ai jamais compris pourquoi en fait le son des explosions et n'a jamais été synchro avec les mouvements de Dart. Alors j'avoue en fait il tape mais on a le boom avant qu'il tape. On dirait que soit c'était fait exprès, soit qu'ils ont raté en fait l'alignement entre le son, enfin la synchro entre le son et l'image. On va se remettre un petit coup de vie encore. J'ai hâte de voir Albert comment il va taper. Est-ce qu'il va faire beaucoup de dégâts? Et le jeu donc est ressorti sur le PlayStation Plus, sur PlayStation 5.
Mais apparemment. Ou non, attendez, je me confonds au truc. Non, il est ressorti sur PlayStation Plus, blablabla. Ça c'est vrai, c'est très bien. C'est super pour tous ceux qui pourraient le faire. Actuellement, il est dans le PS Plus, dans tout ce qui est rétro PlayStation. Et que la version américaine, j'ai appris ça récemment, la version américaine, qui est sortie à l'époque, et bah au niveau difficulté, elle avait été abaissée pour correspondre au standard américain. Donc les Américains ont eu un jeu plus facile. Bon, c'est juste pour l'anecdote. Allez Albert, montre-nous ce que tu sais faire. Donc, je rappelle, Rose, elle mettait 300 et quelques en dragon. Il fait plus que Rose en dragon. Ce qui serait top, c'est de réussir à remettre tout le monde en dragon en même temps. Comme ça, on pourrait à nouveau avoir Rose qui tape à fond. Mais mon meilleur perso actuellement au niveau puissance, c'est Albert et de loin. Bon, alors le problème maintenant, c'est qu'on est plus personne n'est protégé, on n'est plus dragon. À partir de maintenant, on va prendre sacrément cher. Faut pas qu'elle nous fasse des gros coups de magie, trucs comme ça, parce que sinon, on va prendre tellement cher dans la gueule. Ça fait mal. Albert, j'aimerais bien. Elle est toujours bleue, ça c'est pas bon. Non, 458, c'est bon ça. Ah, tu me fais plaisir. Allez, jaune. Ça se passe bien. Danse mortelle. 217, pas mal. Faut pas qu'elle fasse de la grosse magie. Bah, bien sûr que si. J'allais dire, faut pas qu'elle fasse. À chaque fois que je dis, faut pas qu'elle fasse ça, ça se passe. Donc, il faut que je me taise. Elle nous met quand même des hypercutes pour nous envoyer dans les airs. C'est vraiment la honte. C'est vraiment des coups à la Obélix. Elle arrive, elle fait puf, puf, puf. Et tout le monde dégage. Oh, 500. J'ai vu Dart, 500 et quelques. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Elle est pas là pour rire. On va peut-être utiliser une potion après pour tout le monde. Ah non, les rouges. Bon, allez, c'est bon. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Si Albert, il peut nous l'achever, là, comme ça, un petit coup sec. Ah bah. Qu'est-ce que c'est que ça t'attaque encore? Ah non, faut pas qu'elle nous one-shot, hein. Je serais dégoûté, hein. J'ai pas calculé cette attaque, moi. Ça va. C'est moins violent que l'autre. Bon, par contre, Dart, il est au bout de sa vie. Hein. Est-ce qu'on joue la grid jusqu'au bout? Allez, jusqu'au bout. Est-ce que j'ai été fou? Attends, j'hésite à me transformer dès maintenant pour me remettre de la vie à tout le monde. Parce que là, le problème, c'est que ça nous fait de la magie, elle peut tous nous one-shot. Eh, je prends pas le risque, allez, je me transforme. Je vais faire un coup de magie, on sait jamais. Et au moins, en dragon, moi-même, je suis plus résistant. Ça m'embêterait de perdre maintenant, quoi, alors qu'on a fait un si bon combat. Juste parce que j'ai voulu économiser une potion. Ou économiser pour pas devenir un dragon tout de suite. Elle est quand même extrêmement classe.
Normalement, c'est pas énorme, c'est 80 points, 100 points, mais ça peut tout changer. Bah, c'est même pas 100 points. Ah mince, je pensais que j'avais deux tours. J'ai mal calculé. Ah, c'est bon. Petit coup intercostal. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'était beau. Cette action d'homme. Badass. On dirait que même l'âme du dragon, elle pleure. Sept mille. Allez, boum, ça monte des niveaux. Bah Meru, elle avait l'air trop triste que Dart ait protégé Shanna et que Shanna ait les protégé aussi en retour. Elle avait l'air d'être tout impactée. Nouvelle magie, mais la rose, elle a tellement de magie, elle est tellement puissante. Dragon noir, j'ai trop hâte de voir ça. Et je suis à même pas 100 points, 100 XP du niveau 24. Ça va monter niveau 24, je te le dis. J'ai glacé, je prends. Qu'est-ce qu'on va dégager à la place? Ah, mon joystick, merci. Ça, je m'en sers jamais, il faut peut-être que je m'en serve. On va dégager un magma. Le jeu? Y'a quelqu'un? Toc toc toc? Le jeu? Ne plante pas maintenant le jeu! Je crois que le jeu il a planté. Le jeu a planté. Attendez, je suis en train de pleurer intérieurement là. Non mais c'est pas possible. Oh! Attends, c'est pas possible. Je vais mourir. On est à la fin, c'est à la fin du CD2, on s'en rapproche là. Et ça a planté. Alors attendez, j'avance et on se retrouve. Enfin, je cherche et on se retrouve. Ah, ça y est. Alors j'ai dû refaire entièrement le combat pour débloquer. Et le jeu où il y avait complètement bloqué. J'ai eu trop peur. Je vous cache pas, j'ai eu trop peur de devoir tout recommencer. J'ai trop peur. Mais j'ai dû refaire entièrement le combat. C'est l'âme de Dragoon de Meru. Désormais, tu es des nôtres. Elle est des nôtres.
Une fois de plus, quelqu'un a pété en Australie. Oui, c'est ça, t'as choisi. Tu avais bon cœur. Et hop, un dragoon de plus. Finalement, ça paraît très compliqué d'être un dragoon. Ah, tout s'explique. Coco, on s'est pas rencontré par hasard. Après, est-ce qu'il y a eu un coup de bol que Lavitz et Albert, comme par hasard, ils étaient tous les deux habillés en vert et que l'âme a pu passer de l'un à l'autre? Que autant qu'on rencontre quelqu'un dans la, voilà, quand ils se rencontrent dans un village, n'importe quoi, pourquoi pas. Mais là, c'est quand même un coup de bol que Albert et Lavitz soient ensemble. En tout cas, le combat s'est très bien passé parce que je l'ai battu deux fois. Et la deuxième fois, bon, vous l'avez pas vu, mais encore plus facilement que la première. La deuxième fois, là, je l'ai rétamé, la pauvre. Je lui ai roulé dessus. J'ai eu aucun personnage qui a été dans le jaune ou dans le rouge. Tout le long, je lui ai roulé dessus. Elle m'a fait aucune attaque qui est en fait assez violente. Donc ça s'est très très bien passé. Je crois qu'elle m'a fait une seule grosse attaque. Comme quoi, il y a quand même une grosse part de chance. En tout cas, Lenus, très bel adversaire, très grand adversaire. Du début à la fin, j'ai adoré le personnage. C'était vraiment un très très bon adversaire. Classe, fort. Avec de la répartie. Du sex appeal, tout. Allez, sauvegardons. Mais quelle frayeur! Quelle frayeur je me suis faite quand j'ai vu que ça avait planté! Oh, mais je suis à 27h, 20 ou 28h de jeu, vous imaginez? Intérieurement, comment d'un coup j'ai fondu? Ça a été. Pouah. Allez, je monte rose rapidement! Je viens de me rendre compte que dit comme ça, c'était dégueulasse! Nous dire voilà, donc il y a Albert qui a monté un niveau et Rose qui a monté un niveau parce que les deux sont montés en même temps, donc très pratique. Et maintenant il faut qu'on retourne voir le roi. Pour ça il faut qu'on sorte de cette grotte qui nous a valu quelques misères quand même. Ouf, ça fait une demi-heure mon café est froid. Qui je tape en premier? Danse mortelle. Et le premier épisode est sorti il y a quelques jours. Et en revoyant les images de mon premier épisode, bah déjà. Alors entre temps j'ai changé de matos et tout, mais rien à voir avec tout ça. C'est juste au niveau des personnages. Au départ, Dart, il avait 30 points de vie. Et regardez-le aujourd'hui, il a 1496. Il a tellement évolué le petit. Il est devenu tellement grand. Et c'est vrai que Rose, oui, a gagné une magie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que déjà, porte de l'enfer là, je ne me rappellerai jamais du nom. C'était extrêmement puissant parce qu'elle pouvait one-shot les adversaires. Mais alors maintenant, je sais pas si ça va être sa prochaine. Et c'est même pas contre un adversaire, je peux one-shot tous les adversaires, sauf bon, on a vu la mort et les boss. Et j'ai 5 barres. Donc je pense que 5 c'est sûrement le maximum, à moins que ça aille plus haut. Est-ce que Rose a finalement un maximum?
Ou est-ce un puissant fond de puissance? Je veux croire que c'est un puissant fond de puissance. Donc dès qu'on peut, dès qu'on est vers à côté d'un village, je lance un combat sur la carte, juste pour qu'on teste cette nouvelle magie. Allez, allez, cours, galope, galope mon grand, c'est bien. J'aimerais bien savoir, Albert, où est-ce qu'il en est au niveau du combo. Je regarde ça vite fait. Combo. Brutal combo. Pour ceux qui ont la ref, et ben on est... Oh, on est bientôt au max, hein, 99. 360 de dégâts, 320 de dégâts. Il va monter à 350. Hein. Sachant que lui, il a 5ème combo, donc il a 5 combos. Rose, elle en a encore un. Et moi, j'en ai encore deux. Enfin, Dart en a encore deux. Vous savez, je me personnalise dans le personnel. Dans... Voilà, je fais une personnalisation de Dart. Ouais. SP60. J'ai hâte de voir les prochains. Et sachant Albert, je sais pas si ça sera son prochain, mais vu la puissance déjà qu'il a actuellement. La folie, ce mec. Rose, ma belle. Qui, à mon avis, pareil, le nouveau pouvoir. Ah mince. Sa nouvelle magie, à tous les coups, elle va demander au moins 50 d'XP. Enfin, de MP, c'est juste énorme. Je suis à un truc dans le genre. Il faudra plus que ça, mon coco, pour me bloquer. 387, pas mal, pas mal. Albert, si tu veux bien nous montrer ta puissance. Sachant que là, donc il va monter encore au niveau supérieur, là, Albert. Donc il va taper encore plus fort. Danse du vent. 616, c'est tellement violent. Ça devrait être interdit d'être aussi violent. C'est quand même l'équipe qu'on a depuis le début. Hein. Ces trois-là. Montre-moi vite fait Albert, enfin Albert Rose, combien c'est ta magie? Situation. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. 80. 80 d'MP pour débloquer cette attaque. Elle a intérêt à tout détruire. On va la tester. Moi, il m'en reste encore une. Sur Dart, Albert, il en est où? Albert, il en reste deux, mais pourquoi il veut pas... J'arrête pas de le faire monter des niveaux, là. Il débloque des trucs, mon grand. Mais une fois qu'elle a vu qu'elle est au max, moi, je vais continuer à la garder avec moi. Mais Shanna, je suis toujours intrigué de savoir qu'est-ce qu'elle pourrait débloquer en tant que dragon. Parce qu'eux ne montent pas en tant que dragon. C'est nul. 80, mais... C'est la folie, hein. Je suis pas du bon côté, c'est pas grave. On va juste aller... attends, je peux dormir ici? Oui, je peux dormir normalement. Le doute m'habite. Est-ce qu'on peut dormir chez toi? Oui, elle est belle ta vie, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Oh, il me raconte autre chose, lui. C'est bon, tais-toi. Ah mince, il parle de ma victoire. Ouais, c'est bon, heureusement qu'on se barre, que je coupe. Bon, je peux pas dormir ici. Voilà qui est bien naze.
Attends. Faut que j'aille par le roi. Le maire, on s'en fout, on est d'accord. Oh, j'aurais pu y aller juste pour me faire mousser un petit peu. Juste pour qu'ils disent à quel point je suis beau et fort. J'en étais sûr. Ah, je l'ai senti venir. Tout mon corps, toutes les parcelles de mon corps ont crié « ennemi » juste avant de rentrer. Tout ça pour ça en plus. J'ai envie de le laisser à Albert. Non, vas-y. Hop, on prend de la vie. Voilà, c'est pour toi Albert. C'est cadeau. Mange des crustacés. Il est quand même super résistant, 270. Comme quoi, un crabe, ça se mange pas comme ça. Et je regrette vraiment pas, c'est d'avoir fait le coffre dans l'épisode précédent, deux épisodes en arrière déjà. J'ai passé beaucoup de temps pour faire pour débloquer le code du coffre, j'en avais pas parlé, pour pouvoir avoir l'amulette, et ben c'est sans regret. Parce que c'est quand même extrêmement pratique pour monter les combos. J'ai dit pratique ou pratique? Bonjour. Est-ce que je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Le roi, je réfléchis toujours où est-ce qu'il est. Je suis débile ou j'ai réfléchi? Le roi Zior. C'est celui qui était avec Emily et Lisa. Si je me trompe pas. Oh mais non, mais c'est pas toi que je voulais. Alors qui veut quoi? Barrière attaque magique, bah balançons de la magie. C'est le moment. On va voir ce que ça fait. Allez on monte, ouais. Je le tape juste pour le plaisir de le taper plus fort. Ah, allez, juste pour lui montrer qu'on a dans le slip. Voilà, zéro. Non mais y'a pas un truc à faire avec lui? Là ça va faire 0, il va se barrer. Ah non, il va nous taper. Alors attends. Si on peut te frapper la bouche. Essayons de lui frapper la bouche comme il faut. Allez. Que dans le jeu il y a plein d'ennemis comme ça qui tu peux pas taper n'importe comment. Il va juste me fracasser en fait. Je teste tout ce que j'ai contre lui, hein. Le sachet aussi, je teste tout. Bliss. Est-ce que j'ai gagné un trésor? Anneau rubis. On a gagné quand même un truc intéressant. C'est là l'importance des sachets, c'est que ça peut te donner des trucs assez cool par moment. Qu'est-ce que c'est que cet anneau rubis? Bon, au moins on a fait de la place dans l'équipement, c'est pas mal. Gain de MP en cas de blessure physique. Oh, ça c'est intéressant, on va pas se le cacher. C'est comme mon truc actuellement? Évite état ensorcellement. Bon, pour l'instant, j'avais pas trop besoin.
Je voulais taper plus fort, mais je vais peut-être le donner à... à Miss Tinguette. Je vais garder pour l'instant sa bouclée, mais ça peut, ouais, ça peut être très intéressant comme, comme anneau. Très très intéressant. Dommage qu'on peut pas en porter plusieurs. Lors d'un combat, récupérer des MP, ça peut être cool. Après, faut voir combien on en récupère. Ah bah, je suis désolé, c'est toi qui va prendre le dragon en pleine tête. C'est pas contre toi. Eh bah, t'as raison, tape-moi. Et en plus, tu rates. C'est moi qui vais te mettre le coup. Dragon, c'est parti. Ah là là. Je sais pas ce qui t'attend, mais ça va faire mal. Ténèbres, c'est parti. Installez-vous. Ouais, pas mal. Pas mal, ça fait ça a l'air de faire des dégâts. Mais c'est moins impressionnant que je l'aurais pensé. Pour la dernière attaque de Rose. Et j'ai toujours, il y a toujours un truc qui est trop bizarre. C'est comment ils ont vu les dragons quand ils ont fait le jeu. Je voudrais bien voir les concept art sur, sur ce jeu. Comment il a été pensé, comment... parce qu'on a du mal. Déjà, le jeu, bon, il est tout pixelisé, etc. Plus, c'est très cubique. Donc, pour voir à peu près les formes, où est la, où est la tête, où est le cucu, c'est compliqué des fois. Non, mais avance, non, mais avance, mon coco. On va aller dormir. L'argent, c'est pas ça qui manque. J'aime beaucoup d'argent. 12 000 et quelques, c'est énorme. Mais y'a plus de dragon, tu peux y aller. Cool. Bah, on voit, d'un côté, il y a plus de monde d'un coup qui est revenu. La vie a repris son cours dans le village, c'est cool. Tout ça grâce à nous. Donc voilà. Bonjour. Un dragon. Avec un peu de regret, je l'ai battu, j'aurais aimé qu'elle fasse partie de l'équipe. Faut pas tout avoir. Aucun rapport, mec. Nous n'avons pas eu la dague. J'aime l'océan. Peut-être la prochaine fois arriverons-nous à la récupérer. Je mangerais bien des pâtes. Mec, aucun rapport. Non mais j'ai une mission à faire, mec, actuellement. Je suis pas un pirate. Bah non, je peux pas, faut rater les conneries. J'ai une mission. Il est complètement teubé, lui. Le destin du monde est en jeu et lui est en train de dire allez, si on partait à la pêche, tous les deux là, comme ça, tranquille. On oublie tous ses problèmes, je prépare un petit panier garni et puis let's go.
Non, c'est... Mais pas à bientôt, on va partir avec toi, mais... Non, mais... Non, mais partez pas sans moi. Il est con, quoi. Oui, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. On peut y aller. Êtes-vous prêts? Pas encore. Attends, juste avant de partir. Attends, j'ai un truc à faire avant. Un truc qu'on a oublié depuis trop longtemps. Je pense que même vous avez oublié, vous ne savez pas ce que je vais vouloir faire. J'espère moi-même qu'il n'y avait rien d'important par ici. C'était là? Non, c'était pas là. Si, c'était là. Oh, je sais plus. Oh, des termes. On peut aller voir, on peut dire bonjour. Bonjour. Ah, excusez-moi. C'est le bain des femmes. Oh, mais si vous mettez rien sur la porte, moi aussi. Hein. Enfin, s'il y a des symboles, bon, j'ai rien dit. Ok, je suis un petit pervers. Bonjour. Bah, t'es une femme, toi, encore? Mais... Donc ça, c'était un homme. Alors, en voyant que les yeux, c'est compliqué aussi. Excusez-moi. Tada! C'est eux que je veux voir. Avant de partir, leur dire au revoir. Ah, c'est, je me suis posé la question de savoir si la mère allait mieux. Quand je serai grand, je serai chevalier. Alors vous retiendrez qu'il a dit qu'il veut partir en quête avec de belles femmes. Avec un S. C'est, il a tout compris, le gamin. Il a bien repéré que... D'art, il n'était pas parti à l'aventure comme ça. Non, non, il a emmené du monde avec lui. Des fois, ça fait peur. Ça fait du bruit. Des fois, ça fait peur. Ouais. Ne te retourne pas, surtout. Rose a fait peur à tout le monde. Je l'adore. Ça doit être ton imagination. Mais à ta place, je dormirai d'un œil. Voilà, on aurait raté cette petite phrase-là. Enfin, ce petit passage-là, si j'étais pas venu ici. Attention, elle est pas commode. Alors, le gamin, il est passé de aventurier à pêcheur en une seconde. C'est bon, t'as pas rien à dire? Ah. Mais non, mais ça, j'ai déjà fait. Alors, on a dit ça, on l'a fait. Jalousie, tiens, essayons. Et à mon avis, ça fait du bruit, ça va être Meru qui va sortir. Bien sûr, on va essayer Meru. Oui, Shanna. Oui. J'étais sans connaissance, mais... Elle m'a touché. Pêcheur, c'est pas un mauvais choix. Allez, la dernière. C'est à cause de... Roulement de tambour, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça piaille, ça se plaint. Ah là 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 là.
Ça veut des toilettes privatisées. Non, 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 gamin. Non, non, non. Allez-y. Envoyez la déferlante de haine dans les commentaires. Allez-y. Je suis prêt. trop bien, tu me fermes l'œil. J'ai grandi avec plein de filles autour de moi. J'ai plein de sœurs. Donc vous pouvez y aller. J'ai grandi avec. C'est de moi que tu parles. Ah, il va être charpentier finalement. Ok, bon, on a tout eu. Mais au niveau des personnages, Meru, ça avait plus pensé à la petite sœur, un peu garçon manqué. La Shana, c'est la petite sœur fragile ou la copine fragile en mode. Aïe! Voilà. Et. Mais celle qui fait vraiment femme. Celle que t'invites à sortir. Celle avec qui tu passes la soirée. Finalement, je continue à dire, c'est Rose. Dites-moi en commentaire, votre préféré entre les trois. Ou si vous préférez aussi Albert. Hein. Vous avez le droit de me dire Albert ou Ashel. Dites-moi quel est votre personnage préféré dans le jeu pour l'instant. Lavitz, bien qu'il soit mort, vous pouvez aussi le choisir. Oui, je suis prêt. Dites-moi quel est votre perso préféré pour l'instant. Il y a aussi Kongol, on l'a oublié. Bon, vous l'avez bien compris, hein, mon perso préféré, hein, il est simple à retenir. Directement. Rose, 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 Rose Forever. Voilà, Rose. Qu'est-ce qui se passe, attends? Ah, je peux aller sur le bateau? Ça fait déjà une heure. Oh mon dieu. Attends, est-ce que je peux faire tour le bateau? Est-ce que je me balade ou pas? Parce que là, ça fait quand même une heure que on joue. Ça fait. Il reste encore beaucoup de dialogue et tout avant. Mais on passerait sur le CD3. Est-ce que je vais au bout du CD2 maintenant? Mais il va y avoir beaucoup de blabla à partir de maintenant. Je ne sais pas. Est-ce que ça ferait une heure? Ça va faire un très gros épisode sinon. Ah, je ne sais pas. Allez, on va dire quoi? J'ai envie de terminer le CD2. Ça va faire un gros épisode, mais tant pis. J'ai envie de voir le bout du CD2. Et j'ai envie qu'on attaque le prochain épisode sur le nouveau, sur la suite. Quoi qu'il y a, enfin, voilà, je sais pas. Parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a encore bien une bonne demi-heure, 40 minutes. Ah là, je sais pas. Pousse-toi, toi. Je sais pas pourquoi je suis allé par là. Je me suis trompé de chemin. Eh ben j'ai fait mon choix, je m'arrête maintenant parce que j'ai vraiment peur qu'il reste encore au moins 30-40 minutes de discussion et c'est quasiment le temps d'un épisode habituellement. Donc je préfère arrêter ici, on a eu de l'action, on a pas mal fait de choses, on a bien avancé, le scénario a extrêmement bien progressé, on a eu un nouveau dragoon, donc c'est vraiment très bien de s'arrêter maintenant parce qu'on est à fond dans la hype, le jeu est toujours trop bien. Merci de m'avoir suivi. Si ça vous plaît, vous oubliez pas abonnement, pouce bleu, partage, tout ça. Vous savez comment ça se passe. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Salut.